Yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui hein, pour cette 16e, ce 16e, cette 16e, ce 16e épisode de Rome de Total War dans lequel on joue les Alains. Oups, excusez-moi, voilà. Alors, la dernière fois, oui, on s'était laissé. Donc, Ekbatane subissait le siège. Le siège. Bon, finalement, voilà, ils sont tombés. Ça s'est tombé, hein, comme on avait prévu. Voilà, donc, on va le reprendre, quand même. Hein, tranquillement. Donc, on va faire un siège à notre tour. Là, je crois qu'il sera un peu moins efficace, celui-là. Adon, Kikidon. Tiens, c'est bizarre, ça. C'est pas germain. Et on va faire un ingénieur siège étranger, on va chercher ça. Ça limitera les pertes dues au siège. Voilà. Trapezos, il n'y a personne. Parfait. Une petite résolution automatique. Oh. Libéré. C'est quoi? Je libère, ça va nous faire un possiblement pote. Ça nous fait un pote d'ailleurs sur le moment. On s'entend bien avec eux. Soyez le bienvenu. On va Parlons faire un et petit savourons du bon traité vin romain commercial en lorsque même nous temps. aurons compris. Cette offre fait un. Bienvenue, Alors, si on peut bienvenue. faire un accord commercial, oui, mais Vos dis paroles sont donc! pleines de sagesse. Petit accord commercial avec Vous eux? trouverez en moi un public enthousiaste et Oui! attentif à votre discours. Que vous. C'est bien, Vos on paroles débloque. ont une certaine honnêteté romaine. Et elles sont justes et On a justes. des alliés, dis donc, les gars, aujourd'hui. Oh là là! C'est l'épisode des alliés, quoi. Bon, c'est encore bien rouge tout là, hein, mais là, c'est bien vert, bien vert. Bienvenue, noble ami. Mangeons et buvons avant que les mots ne passent nos lèvres. Faut pas déconner non plus. Hein. Voilà, ils s'entendent bien avec les Saxons. Hop, les Calédoniens qui ont leur. Qui font leur vie, j'ai envie de dire. Alors. Effectivement, là, on allait emmener ce général piller Nicomédia. Révolution agressive. Et on va même faire mieux que piller. On va occuper. C'est une place forte. On va pas se faire prayer. Alors, bien évidemment. Pour le coup, on va recruter à fond de l'unité. Ici c'est minier, je crois. Il me semble que c'est minier, donc on va faire ça. Un petit four en public. Et surtout, les gars, on a enfin les mots fléchés sont prêts. Ils sont prêts, les gars, ils sont prêts. Donc on va les amener. Et on va les amener à Tigranocéta, sûrement. Par contre, les villes coyotes, ils sont pas spécialement dans le beau drap. Ouais, ça passe là. Une victoire très coûteuse, mais une victoire est une victoire. Hop, on occupe, pas besoin de raser ni quoi que ce soit. Ah, ils ont le temps de, ils ont le temps de raser quand même. Zut. Et voilà, donc on s'est débarrassé hein, de. Oh, c'est juste débarrassé de. Encore une armée sassanide, hein?
Alors, mes villes coyotes, je vais les ramener là, plus tard. Ici, ça part toujours pas. Hein. Le moral, il est haut. Il est très haut. Là, on est bien, là, on est bien. Voyons voir si. On a envie de leur mettre une sacrée dérouillée. Hein. On se souvient, 1809 contre 7200. Ah, ça, je l'ai en tête, les gars. Hop, là, on développe. J'ai toujours pas de bois, si, non, si, non. Il y en a à Sinopé. On verra ce qu'on fait eux. Est-ce qu'il est en guerre, lui, contre quelqu'un d'ailleurs? Pas encore. Lusitanie, Lusitanie, accord commercial. Bienvenue. Pas de non-agression. Parlez, ami. Parfait. Rome comprend cela. Ensuite, on va enfin regarder les les objectifs. Hein, donc, objectifs. Contrôler Caucasia et Bitina et Pontus. Tu sais quoi, Caucasia? Je vais aller prendre Phasis. Voilà. Et la City, on est bien. La Dacie, on va pouvoir faire évoluer, hein, je pense. Là, j'ai plus besoin de tout. Plus besoin de tout ça. Allez, on va passer le tour. Pfiou. Quand on a pris la ville Nicomédia, donc. À Palmyre. Ce que je vais faire, c'est sûrement recruter des unités corps à corps. C'est plus efficace pour défendre des murs que bah, des archers. Ouais, maladie, raid. Ok, ah, alors. Pour l'instant, ça fera l'affaire. Hein. J'aurai des unités donc de garnison qui seront rajoutées avec ça. Marché des steppes à cheval. Ah, zut. Alors, qui c'est? Qui es-tu? Qui es-tu? Toi, je vois que tu traînes dans le coin, écoute. C'est pas fort à l'avance ici. Hein. C'est fou. D'ailleurs, on avait prévu. Hein, d'échanger les mots fléchés, ils vont arriver ici. Et les vicoyotes, ils vont repartir à Tigrano, c'est ça. Je peux pas arriver là. Bon, je sais pas si ça fait une vraie différence. En assassinant celui-là, toujours pas. J'en ai été témoin. Il peut plus bouger. Allez, montons une deuxième armée. Une deuxième vraie armée avec elle. Ah, c'est bien ça. Waouh, une première de yurt. Ah, il déconne. Zéro, les gars. Oh, 6 déjà. Allez, là on est bien. Ça c'est une armée défensive donc. On va partir sur des guerriers à la lâche. J'avais quoi ici déjà? Oui, c'était que de la cavalerie. Très bien. Ça se passe comment là? Ça se passe très bien. Là, on va essayer de refaire. Ralliement d'esclaves. On va y arriver, hein, à force. Voilà, Lydia qui pille le territoire ennemi. Ah oui, déjà. Voilà, on reste là juste pour la reconstitution de cette armée. Je suppose que. Ah oui. Oh, il perd pas de temps.
En même temps, il a que ce front-là qui est ouvert. C'est pas plus bête. Hein. Karana, c'est, sont des rebelles. Pas trop de risques. Je suis certain que Alliance votre défensive. Sagesse vous permettra de voir que Rome profite de votre amitié et vous de la nôtre. Eh ben écoute, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas si mal. Alors, ça attaque. Morgana qui attaque. Très bien. Je vais sortir ma cavalerie. Je vais attaquer le général avec. D'accord, on est des frondeurs. J'ai pas d'unité de cavalerie de mêlée. Dommage. C'est pas grave. Je me venais de la bataille sur le champ. On se retrouve juste après. Hein. Victoire simple et efficace. Oh, pardon. On relâche les captifs, hein, bien évidemment. Nous avons besoin d'argent. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils se sont fait repousser ou ils ont eu peur peut-être? Je sais pas. Allez, direction Phasis les gars. Okay, on fait un siège. On fait un siège mais je peux pas non plus encore en fait. On va lever une flotte. On peut rétablir l'héritage d'une flotte. Ouais, voilà. On va lever une flotte qu'on va faire arriver là et ça diminuera par deux le temps de siège. Si ça veut bien, c'est toujours pareil, c'est de la merde. Ah, ça c'est chiant. Faut vraiment cliquer à l'endroit. Hein, c'est... Allez, je retire le siège pour l'instant. On va pas le faire. Maintenant, ça vaut pas le coup. Ici, on va le faire comme ça, c'est mieux. On va tout simplement switcher les deux armées. Toi, tu vas aller ici. Et on va switcher les deux généraux. Oui, c'est compliqué. Hop, voilà, on va remplacer. On fiche de ce qu'il y a. De toute façon, on s'occupe pour un tour. On remplace tant que c'est gratuit à recruter, ça va. Voilà. J'ai un espion. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va peut-être aller. Je sais pas, il n'y a pas un agent ennemi qui. Voilà, très bien ça, un mage là-bas. Un mage, c'est dangereux ça. Ça casse le recrutement, j'aime pas ça du tout. D'ailleurs, ils vont aller là. Là, je vais recruter du Merco. Du mercenaire piqué, même, pour être précis. Et je vais bloquer le passage ici, hein, qui est très important. Ah oui, là je recrutais une autre armée. Oh zut. Toujours. je réponds à ce qui. Aux questions qu'elle me pose, hein, voilà, simplement. Voilà, donc ça fera une belle armée de recrutés dans deux tours. Ici. Trapezos, on a du bois, partir sur une reconstitution d'armée, non, c'est plus efficace, enfin je trouve ça plus adapté à mon style de jeu. Ici, voilà, on doit attendre. Ici, on attend. Très bien. Très bien, très bien. Ça a l'air de se passer tranquillement. Ah, Bactrie. Oui, effectivement, j'ai pas regardé. Est-ce qu'il se baladerait avec quelques armées, là? Non.
un agent. Je vois perturbation en bas, j'aime pas ça. Non, c'est bon. Allez, retour avec Batane. Un assassinat. Voilà. On doit douter, bien évidemment. C'est mon rôle de douter. Des stèles, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Beaucoup trop léger pour ça ait un vrai impact. Bon, ici ça se passe bien, rien à dire. Ici ça se passe bien, rien à dire. On a sécurisé des fronts, c'est une bonne chose. Un revenu de commerce. Et ici on va faire ça et là on fera des pillards. Alors, voilà, direction phase 10. On recrutera les trirem, ubirem. Je sais pas si ça suffira, mais au pire du pire, il sera tué, c'est pas très grave. Hein. C'est pas ma famille. Le gars qui en a rien à foutre, c'est magique. Ah, je retournerai au Pontus Emerius pour recruter des mercenaires et Pontus Eximus pour. Pareil, on va recruter mais d'autres, du coup c'est pas la même province, donc j'aurai des mercenaires de province. C'est parti, c'est parti. Ok, un tour avant recrutement ici. Je vais changer, remettre ma reine. Qui est ici. Voilà. Hop, on retire le mode marche rapide. Ici, même principe mais avec Mordos. Ok. Et waouh, ah ouais, belle portée. On va se mettre ici en embuscade. Et tour prochain on est à Tigranoceta. Je suppose que là on n'est pas bon. Je vais l'emmener là. Ah, je vais juste énerver la population. Et on sera pas mal. Hein. On sera même pas mal du tout. Okay. Je suis en train de voir un petit peu pour les actions à faire plus tard. On va plein de blabla, là. Ça, c'est retour à la maison, blablabla. Voilà, retour ici donc. Hop, on peut recruter 3 mercenaires. Retour là, on peut recruter à nouveau 2 mercenaires. On dit que lui, il fait le siège en premier, comme ça ce sera lui qui prendra les. Les points de victoire entre nous, grosso modo. On maintient un blocus 3 tours. Même une petite flotte qui commence à faire, c'est parfait. Alors là il y a qui? Ouf, trop tard pour toi. Ah d'accord, ils ont découvert voilà une petite résolution auto, ça devrait se passer tranquillement, hein. Équilibré, pas besoin de plus. Et on rase. Voilà, Tigranoceta, tu es à nous. On a pris la capitale ennemie. Ça, c'est bien. De ce côté-là. J'ai déjà plus d'argent, comme d'hab. Oh, il y a des gens. On vient de faire le siège, oui. J'aimerais bien faire un petit pillage ici. Voilà, parce que j'avais besoin d'argent. Je sais plus pourquoi.
Ah oui, bah oui. Pour mon champion. Voilà, et maintenant faire une action qui réussit, ça me rapporte de l'argent avec lui. Si c'est pas magnifique ça. Je suis le vagabond sauvage. Plus important de porter, voilà. On entend la pièce provenant des aventures, ça c'est bien aussi. Hop, attention, oui, non, c'est bon, je crois que c'était une armée ennemie. Ok, je vais aller me rapprocher. Alors je vais foutre un coup de run parce que c'est l'hiver et l'hiver dans les montagnes, c'est pas génial. Je vous fais pas de dessin, les gars. Voilà, et j'ai enfin. Oups, je suis un peu loin. Je vais continuer à faire. Voilà. De la nourriture. Je vais redévelopper en fait, je vais pouvoir enfin commencer à redévelopper les villes. Ici c'est métal, donc mon unité terrestre, c'est bien. Enfin, ici vous voyez, hein, ce sera colonie métallurgique, je sais pas comment on dit. Ok, on va avancer là. Et on va se mettre en mode fortifié. Et je vois que ça fait déjà 20 minutes, hein, 20 minutes de campagne. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a pris une plaque tournante là. On a pris une grande plaque tournante. Dans le sens où on a nos villes coyotes qui sont prêts. Les mots fléchés, ils vont fusionner avec... avec les brûleurs de yurt, pardon, étant une armée défensive, je vais les faire arriver là. Et mes mots fléchés. Voilà, ils sont défensifs également. Mais type embuscade. Je crois que mes mots fléchés, eux, ils sont. Ouais, les brûleurs de yurt, voilà, ils sont là. Je crois qu'ils sont. Ouais, ils sont purement défensifs. Ça, c'est. Voilà, bonus de défense, hein. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était un plaisir d'avoir partagé ce petit moment avec vous. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, pour le prochain épisode. C'était Thiam. Ciao. C'est parti. Donc l'ennemi vient de là. Donc je vais mettre ma cavalerie ici. Cavalerie lance projectile. Plus comme ça d'ailleurs. Voilà, en escarmouche. Et là, si j'ai que de l'unité légère, là, en cas de charge, ça risque de faire très très mal. Mais bon, j'ai un noble Alain. Archer. Eux, ils vont courir comme des couillons. C'est pas mon avantage, hein, quand même, de courir dans un village. Au feu, au feu! Faut les pompiers. Un rechargement rapide, ça c'est bien aussi. Voilà, on est à portée de tir. J'ai dit on est à portée de tir. Allô. Merci. Eh ben ils résistent bien aux flèches les salauds. Une seule victime. C'est vraiment mon général qui se fait attraper comme une sous-merde. Le mode escarmouche qui a totalement bugué. C'est cool. Les archers, on va vite les faire sortir comme ça.
qu'ils attaquent le... Ah oui, la charge qui fait mal. Hop, allez, on contourne par là, bien évidemment. Mais bon, la leçon générale. On va prendre des bons dégâts là. Il y a combien ? Allez, c'est bon. Allez, on fait le tour. On fonce au contact. Là, on n'a pas le choix. Avec eux, je vais au corps à corps. Je vais chercher le corps à corps. Bien évidemment, on coupe le mode feu à volonté avant d'arriver au corps à corps, sinon ça posera des problèmes. Ah ouais, sérieux, ils ont pris l'avantage là, les mamés. Allez, on fait le tour, on fait le tour, on veut prendre par l'arrière. Ouf. Oh, c'est parfait. Allez, je poursuis. Poursuit, on veut pas de survivants. Ou alors le moins possible s'il y en a. Voilà. Attendez, il en reste un là. C'est bien, lui il fait sa vie tranquille. Ah d'accord, il reste deux. Allez, c'est une belle victoire. 97 de perte, aucun problème.